Cosmodome débarque sur Super Nintendo, vous allez connaître la peur, l'angoisse, l'enfer. Doom, l'ultime carnage. Doom est le premier jeu Nintendo à utiliser la technologie du microprocesseur FX2. Grâce au FX2, c'est le carnage en 3D comme sur la version PC. Et maintenant, quelques astuces. Derrière certains murs, vous trouverez des salles secrètes. Prenez la mitrailleuse, vous pourrez exploser les mutants beaucoup plus vite. Avec Doom, sur Super Nintendo, jamais violence n'aurait eu autant de relief. Doom, tout simplement le meilleur jeu SNES de tous les temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la case rétro part en live, l'émission vidéo consacrée au direct live et autres multi-rétro gaming. Et comme vous avez pu l'entendre, à parler du meilleur jeu de tous les temps, comme l'a dit John McClane, c'est totalement dingue. Et pour ce nouveau live, je suis accompagné du papa Looping, le régisseur en chef de la case rétro. Comment ça va, Looping? Bah ça va, salut les gars. Et également Subi-kun, comment ça va, Subi? Bah salut tout le monde, ça va nickel. Nous avons également le sémillant et fringant Gerfo. Comment ça, Gerfo? Sémillant et fringant, faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire. Ça va super, salut tout le monde. Et pour organiser ça, voilà, on ne pouvait pas, voilà, pour faire marcher la boîte à buzz, il fallait obligatoirement le professeur Oz. Comment allez-vous, professeur? Salut à tous, ça va très bien. Alors messieurs, on a déjà parlé de Doom, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est vrai, bon, allez, on vous le dit, on a envie de faire un petit case-retour sur ce Doom, puisque on avait parlé de plein de choses, mais on avait oublié certaines choses, et surtout, on avait envie de vous montrer un peu de gameplay manette en main. Donc ce Doom, comment on va faire cette émission? On va le faire en deux parties. Première partie, on va montrer Doom vu par les yeux d'un noob, avec donc notre bon papa Looping aux manettes, qui va nous montrer comment on peut jouer comme une grosse crotte à Doom. Une version de merde en plus. Non, voilà. Ouais, je vais essayer de faire mon mieux, hein. Je le connais pas du tout. Hein. Pour être franc, je connais le tout premier niveau, enfin là, par lequel on va commencer. Ouais. Mais le truc qui ne dure 15 secondes normalement. Voilà, c'est ça. Donc je connais vraiment très très peu de choses sur le jeu. Ça va être l'occasion de montrer les versions consoles, parce qu'on a très peu parlé des portages consoles, et on explique, et voilà, Soubi et Gerfo nous expliqueront pourquoi ils n'ont pas trouvé pertinent de parler un peu de ces versions consoles. On va voir ça. Et bien sûr, deuxième partie, on va après on va sortir un peu les gros bras, et Gerfo va nous montrer ce que ça donne sur PC et avec un peu de talent, voir comment ça, à quoi ça peut ressembler une partie de Doom avec un level un peu plus élevé. Je pense qu'on est bon, je pense que tout le monde a compris. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat de Twitch, on est là pour y répondre. Et allez, on est parti les gars, allez c'est live. Parti, lance-moi ça. Allez, let's go. Allez, new game. New game. Okay, donc... Alors déjà, on peut voir que c'est moche. C'est rien de le dire. Qu'est-ce que c'est que tous ces pixels? Ah mais c'est la puissance de la carte FX de la Super Nintendo les gars. Ah attendez, que je m'habille. Je sais même pas comment tu reconnais les items. Les couleurs. Donc Looping, Looping, toi tu n'es pas un aficionado de la série, c'est une de tes premières expériences, tu as goûté juste un peu pour voir à quoi ça ressemblait avant de ne pas être trop lamentable. Bah ouais voilà, j'ai essayé, donc j'ai vu qu'il y avait, déjà j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de touche de saut. Oh là là, il a tué 3 pixels au fond. Non, il n'y a pas de touche de saut, il n'y a pas de touche de saut, de viseur. Donc j'étais un peu surpris, donc ce que je peux montrer, j'ai vu qu'il y avait donc le point américain, comme ça. Ouais, le point le bon profiste, oui. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a vraiment pas beaucoup d'options, hein. j'ai pas... Ah bah, mais si, regarde, tu as un visage. Tu as un visage. Ah oui, en bas, passe quoi? Passe quoi? Bah Charles, on va l'appeler Charles pour ce soir. C'est Charles. Non, mais j'ai envie d'avoir l'avis visuel d'un expert de Doom. Gerfo, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique version Super NES? Franchement, je suis vraiment dégoûté parce que c'est pas beau du tout. Regardez-moi. Là, normalement, il y a de la lave bouillonnante verte. Et là, non, il y a quoi? Il y a de la texture noirâtre. D'accord. Et je peux rentrer dedans, vous croyez, non? Comment tu vas te toucher? Vas-y, tu peux y aller. Ouais, vas-y. Tu perds un peu de points, tu vas voir. Ah oui, oh là, je peux pas sauter. Ah si, c'est bon. Tu peux courir. Tu peux monter, c'est bon. Oh là, ouais, non, ce qui est génial, c'est qu'en fait, les ennemis, comme souvent dans Doom, t'as tendance à les tuer d'un peu loin. En fait, tu vois pas la gueule des ennemis dans la version Super Nintendo. Alors là, n'ouvre pas cette... Bon, vas-y. Attention. Attention, c'est très dangereux. Bon. Hein, c'est un imp. Reviens en arrière, là. Alors, reviens en arrière. D'accord. Tu auras ta patte. Bon, maintenant, sur ta gauche. Non, alors, dans ce couloir, là. Voilà, dans le couloir, dans le couloir. Un mur qu'un. Et à droite. Là sur ta droite, là tu essayes d'ouvrir une porte. Tu vois le mur qui est un peu marron là? Ah oui. Voilà.
Non, le mur tient un peu encore à gauche. Encore. Non, l'autre mur marron. Tient un peu gris là. Non, non. Attendez, mais je vois rien. Tu es mauvais. Non mais alors en plus là, le pour vous, tout vous dire, je suis au. Attends, je vais faire tout le mur. Ah ouais. Non, secret. Et oui. Et je peux y aller tranquille, y a personne. Ah bah, on verra. Essaye, on verra bien. Hein, si déjà, la version Super NES qui est intéressante, c'est que on va pas te proposer quand tu commences de jouer en Nightmare, par exemple. Ouais. Donc, oui, alors c'est ça. Pour vous dire que j'ai été choqué aussi, c'est que il y a pas de menu. En fait, le texture, jeu. C'est une horreur. Le jeu, il se lance direct, en fait. Alors regarde, il y a pas de sol. Ping. Tu as une armure au milieu de la lave. Tu as vu que tout à l'heure que la lave te faisait perdre des points. Comment ouais. faire? Ouais. Eh ben, cours comme un taré. D'accord. Vas-y. Hop là. Et voilà. D'accord, tu te retrouves avec 200 points d'armure, tu as perdu un petit peu de vie, mais bon, ouais, meilleure protection. Et donc je reviens sur mes pas là. Exactement. D'accord, alors c'est parti. Oh, mais c'est franchement c'est hardcore. Ouais. Eh bah c'est voilà, si on n'avait pas de PC à l'époque, on pouvait se contenter de ça. Bon, sur Sega, ils avaient la Master System, donc ils s'en chargent. Enfin la Master System. La 32X. Alors, il faut rappeler que cette cartouche, elle utilise le FX2. Hein. Oui, c'est Mais qu'est-ce que le FX2 bah, c'est la super carte. Ouais, c'est le composant qui est comme pour Star Fox. Dans Star Fox, c'était le FX1, quoi, en fait, je crois. Hein. C'est ça, hein. Ça, c'est le FX2. Ouais, FX2, ouais, pour cette cartouche. Ouais. Heureusement que c'est le 2, hein, parce que si ça avait été le 1... Alors, à quoi servent les bornes, là, en noir, là? C'est censé être de la lumière, mais comme la SNES ne gère pas la lumière... En fait, normalement, cette pièce est complètement différente dans la version PC. T'as des grillages. D'accord. Je peux pas traverser directement, et bah, l'ambiance est bien plus sombre. Alors, c'est bien, c'est qu'ils ont laissé les objets qui font de la lumière... Mais pas les sources de lumière. Encore que t'as ce petit truc clignotant là. Mais... Voilà, t'as les flashs de lumière là. Ouais, alors c'est la puissance de la Super Nintendo, les gars. Pour expliquer, les personnes qui regardent le live, la vidéo, elle est quand même. Vous voyez à peu près ce qui se passe parce que j'ai éclairci le rendu. Mais faut savoir que sur la console elle-même, enfin sur l'émulateur, c'est très très sombre. On voit très très mal ce qui se passe à l'écran. Hein. Oh là, ils ont même changé la texture du bouton de fin de niveau, quoi. Donc, c'est un scandale. Allez, hop, premier niveau. Magnifique. Donc à là... ce moment-là, Gerpo a déjà fini le jeu. Voilà, 3 minutes 50. Donc, à la moitié. Moi, je connaissais. Tout le monde, en tout cas. Là, je vais rentrer dans la partie où je ne connais plus du tout. Hein. Oula, je sens que ça va partir. Je sens que ça va être rigolo. Même pas vous le êtes monde. Ici. Ah, parce que tu connaissais, là ben, je connaissais, à part le passage secret. À part le passage secret, je connaissais pas. Alors le mieux aussi c'est que tu puisses tirer sur les barils quand il y a des ennemis. Ah allez. D'accord, ok. Comme ça leur crée des dégâts. Attends, là, y a jette pas la pierre, c'était pas évident que c'était un baril. Hein. Tu tirer dessus là. Attention. Oh là là. Attention, il y a de la charpie. Sors. J'ai une question de nous là. Oui. Il n'y avait pas de viseur. Non, il n'y a pas de viseur. Ah bah non, attends, c'est un vrai jeu, hein. on n'est pas dans nos jeux modernes, hein. Doom, il n'y a pas de viseur. Déjà, tu mais peux par contre... utiliser en haut et en bas, donc... Et c'est ça qui est troublant aussi, c'est de ne pas pouvoir... Ah, on a voilà. C'est de ne pas pouvoir viser en fait en haut et en bas, et c'est super perturbant, quoi. Bah oui. Ah, il y a un ascenseur. Bon, c'est un ascenseur. On voit que Looping commence à saigner du nez. Eh hein, oui, tu vois, tu es en train de t'en chier. Il faut te souhaiter. C'est même pas un secret. La tête intermédiaire, ils ont mis... Normalement, il y a une tête intermédiaire entre 60 et 79, et là, ils ont mis la tête 40-59. Ah bah, il n'y avait pas assez de place. Hein. Ah bah ouais, ça prend trop de... Non, je peux descendre. Je suis dans un passage... Ah d'accord, merci. Voilà. Bon. Okay. Donc alors, là, prends l'escalier, là, sur ta gauche. Non, mais le guide pas trop, le guide pas. Attends. Je vais le laisser galérer, mais là, quand même, tu l'as à gauche. C'est intéressant. Oui. Attendez, parce que c'est super sombre, alors... C'est un pilier. Ah, là, il y a une porte. Je l'avais pas pris, cette porte. D'accord. Dites-toi, là où il y a encore des ennemis, en général, quand t'es perdu, tu fais « Oh, là, il y a du monde, ça doit être par là !» C'est ça. Là, il y a des armes. Est-ce qu'ils auraient pas pu récupérer de la ressource s'ils avaient arrêté un peu l'animation du personnage en bas? C'est possible. Ah. Ou alors, ils auraient pu ne pas le porter, le jeu. Oui. Ouais, ça aurait pas plus mal. Ça aurait été, voilà, ça aurait été la solution de facilité. Qu'est-ce que j'ai ramassé, là? Ah, la clé rouge. Clé rouge. D'accord. Clé rouge. Qui ouvre une porte rouge. Voilà, bien. C'est fort boyard, ce truc. Oui. Alors, ce qui est génial, c'est que, franchement, le dessin de la clé, quand tu l'as ramassé, on dirait un espèce de fantôme de Pac-Man. Ouais, c'est ça, ouais, c'était bizarre. Hein. Alors, attends. Donc là, je redescends en bas, parce que je vois qu'il y a des morts.
Alors n'hésitez pas, vous qui nous suivez en direct, à poser vos questions dans le chat à professeur Oz, hein, il nous les retransmettra. Là, voilà, va au milieu là et prends à droite. Trah, c'est la puissance. Tu peux... Non, ah oui, là, il y a un petit trou là. Ah yes. Un petit trou. Ouais. Toujours sur l'ascenseur. Prends l'ascenseur. Voilà. Oh là là. C'est très dur de. Franchement, les. Derrière toi. Les. Tourne. Oh, le shotgun! Cette texture bleue au sol est forcément dégueulasse. Tapis, Non, mais en fait, ce qui manque, surtout sur la version Super Nintendo, c'est un anti-aliasing. Hein. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Faut mettre du anti crène lâche x2 ou 4 là, minimum, quoi. Est-ce que tu fouettes, Looping? Le Super FX de John McClane, nous avait prévenu. Hein. Est-ce que tu le meilleur jeu de la SNES. Hein. Attention, alors là, fais gaffe, c'est de la lave. Ça se voit pas. C'est de la lave, oui. Voilà. Pardon. Normalement, ça se voit. D'accord. Tu ne le sais pas encore, mais tes pieds. Mais tu es mort. Alors, c'est génial. Tu as oublié d'actionner l'interrupteur. C'est pas grave. C'est une zone. C'est une zone alternative. Il peut s'en passer. En même temps, il chopera pas la tronçonneuse, mais bon. Ah, mais du moment que j'ai le shotgun, oh là là. Attention, attention. Hop là. Regardez la tête de Pasqua en bas. Regarde. Il s'est guidé. Il vient de voir une fille sexy. Attention, il y a de la lave là. Je suis en plateforme. Ouais. Voilà, c'est une phase de plateforme, exactement. Nous sommes dans Mirror's Edge. Bonjour, bonsoir. En plus, je joue avec un stick analogique et c'est pas hyper. Ah, non, mais non. Mais non, faut jouer avec la. Il y a du monde là. Attention, oula. Oh là là. Alors je te précise, parce que vu que tu as plein de boutons magnifiques, que normalement tu peux straffer. Alors je crois qu'avec une combinaison, peut-être la combinaison action et voilà, tu peux straffer, voilà. Voilà. Yes. Ah, ça va peut-être m'aider ça. Pour éviter pas les boules de feu, ça sert. Pourquoi pas les gâchettes pour straffer? C'est un truc ça, ça sert à je sais pas comment marche la interrupteur. Voilà. Ah, ça a ouvert la Qu'est-ce porte. Qu'est-ce que c'est? On se croirait... Comment s'appelait cette émission pour enfants, là, le donjon... Le labyrinthe. Voilà, c'est ça. Avec Georges Belair. Attention, trois pas en avant. C'est de la rétro-émission, ça. Hein. Oh, avec le casque, le môme, il avait un casque sur la tête. C'était Ico, ouais. Là, c'est un peu ça. Looping est un peu dans cette même configuration, c'est magnifique. J'ai fait le tour, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te perds. Ah, là, je suis perdu, là. C'est typiquement le couloir qui sert à rien juste pour faire chier le joueur en fait. Oui. Alors en plus quand en fait c'était une boucle. Oui. Exactement. Ah d'accord, super. Super. C'est... Non mais c'est par là qu'il faut que t'ailles, mais d'accord. T'as pas trouvé le. Non, mais ouais. C'est... Aidez-moi quand même un peu à comprendre. Vas-y, galère. Mais va dedans, mais. On a l'impression de voir un papier à un rond-point. Oh l'horreur. Eh, mais c'est... Ah, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Alors, quand tu vois la porte. Quand tu vois cette porte, c'est que ça sent bon. Attends, il y a du monde. Ouais. Au skill. Attention. Oh le skill. Elle arrête plus là. Hein. Oh mais ça, cette texture bleue, t'as l'impression qu'il manque un bout. Manque un bout de jeu. Alors attendez, parce que j'ai peur, je vois du bleu. Est-ce que je peux y aller? C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Mais c'est moche en fait. Voilà. Mais en fait, sur PC, t'as la texture bleue. Mais en plus, t'as un logo dessus. Et c'est le logo qui fait que tu sais que c'est pas un truc dangereux quoi. Donc, tu as récupéré zéro secret. Tu es nul. Et tu as tué la moitié des gens. Oh là là, ouais, j'ai fait 4 minutes. Hein, c'est non, non, mais si tu vois. Alors, en tant que cumulé des deux niveaux, là, j'ai déjà fini le premier épisode. Hein. On regarde ça tout à l'heure. En deuxième... Rassurez-moi, une personne qui connaît pas le jeu, il est comme moi au début ou... Oui, mais en fait, c'est ça que tu vois, c'est qu'en gros, il y a plein de petits passages secrets que tu peux passer à côté de tellement de choses sur ton premier parcours. Genre là, tu vas à un endroit qui sert à rien. J'essaye de voir si on peut l'ouvrir. Non, ça marche pas. Non, c'est... ça c'est. Gerfo, le lance-roquette dans les passages secrets, c'est dans le niveau 3 ou 4? À partir de ce niveau, on peut le trouver, ouais. Ouais, voilà, c'est bien. Il y a un lance-roquette. Il y a un lance-roquette dans ce niveau, mais ça va être très galère de l'avoir. Surtout vu ton talent. Ça va être très galère de le reconnaître déjà. Oui. faut avouer, même les monstres, ils sont super mal faits. Hein. Oh non, j'aime bien les soldats, moi. Non, mais c'est... Encore une fois, c'est un style graphique. Enfin, faut se souvenir, hein. C'est quand même... Enfin, moi, je sais pas, sur la version PC, ils sont comme ça. Aussi pixelisé, mais d'accord. Comme les textures à côté sont plus généreuses, bah c'est une ambiance quoi. Alors ouais. C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est parce que moi je connais pas, hein, la version PC graphiquement, mais la version de base, hein, le sans mode, sans rien. Ouais, sans mode, sans rien. D'accord, ouais. elle est quand même plus jolie que là cette en fait version. Tu vois.
Regarde ton couloir là, t'as aucune texture au sol et aucune texture au plafond. Ouais. C'est un aplat de couleurs continu. Tout à fait. Ouais. Et bah, tu verras le niveau. Là, tu vois, là, pareil. Ici, là, t'as ces espèces de blocs marrons là qui font les piliers sur ta droite. Ouais, ouais. Sur la version PC, ici, c'est des grillages. Donc, ça fait déjà un peu plus piscine toxique là devant toi, parce qu'en fait, c'est un trou. Tu meurs là si tu descends. D'accord. Hein. Ouais. C'est voilà. Mais t'as plus l'ambiance. Mmh. Là, ce niveau s'appelle la raffinerie toxique, je crois, Toxin Refinery, et tu as beaucoup plus l'ambiance dans le truc, plus la musique. La musique, elle est en 8 bits là sur le sur la SNES. Ouais. Dans le sur PC, elle est un peu plus ambiance, mais on l'entendra tout à l'heure. C'est un peu plus précis. Enfin ouais, bon, tu verras. Je pense que la différence, par exemple, par rapport aux ennemis, tu disais qu'ils sont pixelisés, mais c'est la résolution qui est complètement différente. Mmh. Parce que là, tu vois clairement que même à bout de ton flingue, tu les reconnais à peine, les ennemis, tellement que ils ont compressé le sprite, quoi. je crois que je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas le son sur le live, hein, les gars, du jeu. Je viens de le lancer, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, bon, le son en même temps. Il y avait une remarque de Webneta, donc Boulot Retro Dodo, qui nous disait « Ah, c'est dommage, je ne veux pas prendre la version PC et de prendre cette version Super NES. » Et là, j'ai envie de te dire, patience, puisque tu vas pouvoir voir Gerfo montrer un peu sa manière de jouer sur la version PC, justement, histoire de montrer les deux. Sinon, j'aurais pas cautionné cette émission. Hein. C'était pas possible. Je me pose une question, le jeu sur Super NES était bien vendu? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Moi perso en tout cas à l'époque je connaissais personne qui l'avait quoi. C'était pas. Oh là là, c'est laid. Là c'est horrible. Là, oh là c'est là. Parce qu'il n'y a aucune profondeur de champ. Tu vois rien. Tu es obligé de tirer au hasard en fait. Mais ce qui est marrant, regarde la montagne derrière. La montagne, c'est la même texture sur PC, je te rassure. La montagne, ça vous gagne. Ah, il y a un mec là-haut. Ouais. Alors là, tu vois, tu peux le toucher, tu as pas besoin de relever le fusil. C'est ça, ouais, c'est ça. Quand tu es devant, ça marche. Fais attention de pas tomber. Ouais, c'est ce que... Oh, il y a un truc en bas. Oui. Je peux y aller ou pas? Ah bah, à toi. Vas-y, hein, c'est toi qui allez. Attendez, je vais en face. Parce que je... Tu vois, là, tu viens de déceler un peu toute la grandeur de Doom, c'est le « je peux y aller ou pas ». Comment j'ai réussi à faire, c'est exactement là, ça, exemple, Doom. Ça va être un gros piège, là. Tu vois, tu le sens, là, c'est à droite, à gauche, tu sais pas où ça vient et tout. Là, c'est... Attends, je suis coincé, là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Attention, attention. Non mais je peux pas passer. Ah si. Ah oh là là. Oh il y a du monde. Ils font du surplace. Oh là là là. C'est merde. C'est juste horrible d'animation. C'est un scandale. C'est horrible. C'est un scandale. Ah il y a du petit lag hein, mais ça c'est dû, non, c'est dû en à fait, la connexion. C'est un LOL Doom. Un LOL Doom. Oui. Ah non, des LOL Doom, il y en a eu plein et ça c'est sûr LOL Doom. Non, c'est vrai que c'est génial quand l'animation, parce que tu les vois, tu les sens pas se rapprocher en fait avec l'animation. Tu vas atteindre la clé bleue, fais attention. Et... Très important la clé bleue. Ah attention oui, c'était la porte du début. Attention la clé bleue. Oh là là, c'est un piège. Non, vite, sors. Ah, par contre, il y a une truc de secours. Hop. Ouais. Je suis pas mauvais quand même. Mais je vois plus rien les gars. Alors là, d'ici, tu pars. Vas-y, tout droit. Ouais. Tourne sur ta gauche. Tape, en mode 3. Non mais c'est injouable. 3, tourne à gauche. Gauche, on a dit. Oh putain. Ah ça y est, là-bas. Non, c'est d'où je viens. Non, c'est bon, attends, on va le faire autrement. Ouais. Vas-y, avance. Vas-y à fond. Tourne à gauche. Voilà, strafe le mur maintenant. Voilà, tout droit maintenant. Voilà. Encore à gauche, 90 degrés. Tout droit. Hop. Voilà, tout droit, vas-y, tout droit. Là, vas-y, là, t'as... Y a un truc là-bas, là. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. Oh là là, mon dieu. Oh, c'est horrible. Alors, ce que tu viens de voir, c'est une séquence classique de Doom où tu viens de découvrir un objet vachement important, et dès que tu le prends, ça devient la merde. C'est-à-dire, tu te fais complètement avoir. Et, alors, question, je retourne tout au début pour la clé bleue ou je descends en bas, là? Tu peux descendre en fait, ça fait remonter un ascenseur pour que la plateforme, c'est un piège, un faux piège. Alors que si tu tombes sur l'extérieur, c'est un vrai piège où tu vas mourir. Bon, laisse tomber, je vais dire. Tu veux le lance-roquette ? Ouais. Bon, alors le lance-roquette. Alors vas-y, va tout droit. Non, reviens, vas-y, tout droit. Porte ? Ouais. Ouais, vas-y. Attends, il y a une petite latence, hop, voilà. Il manque un bout à ton shotgun. Ouais, et là il y a un bug, il y a un gros bug. Voilà, bienvenue. Ah non, en fait, non, c'est qu'il se mélange à la texture du sol, en fait. Voilà, c'est la même couleur que la même texture. Gris. Ah ouais, regardez. Ah, oh, c'est énorme. C'est dégueulasse. 256 couleurs. La descente de la Super NES. Je descends, Gerfo. Ouais, à gauche. À gauche. Non, à gauche. Attends, mais il y a un mec.
attention. Ah, je prends le bouclier. Ouais, tu peux prendre le bouclier, ouais, si tu veux. Oh, il y a du monde là. Oh là là, il appelle méga armure alors que c'est que l'armure de sécurité, c'est un scandale, il y a une mauvaise traduction. L'armure verte, c'est pas l'armure bleue. Recule, voilà, avance, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Attends, parce que... Sur ta gauche, il va y avoir un interrupteur. Ouais. Ah. Donc maintenant les auditeurs profitent de la magnifique musique de la version Super Nintendo. Voilà, ils l'entendent là. Ouais. Oui, les pauvres. Remonte l'escalier. D'accord. À droite. Alors, là on est vraiment dans le labyrinthe, le oui, château. Typiquement. Oui. Et voilà cette porte qui vient de s'ouvrir là sur ta droite. Là là à droite, droite, pardon. Elle est fermée, là. Voilà, ça c'est une séquence que tu n'avais pas tout à l'heure. Donc d'accord. Là, tu peux y aller. Nettoie tout ce secteur, c'est une boucle, et ensuite je t'expliquerai ce qu'il faut faire, c'est assez galère. D'accord. Il y a du monde alors. Ah ouais. Déjà, faudra que tu trouves le bouton courir quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a un bouton pour courir ? Oui. Il semble normalement oui. Oh, voilà. Un nouveau monstre, je l'avais pas vu encore. Le beau cochon. Attention derrière toi. Quand il est au corps à corps, il est presque potable. Attention. Il y a un gros bug quand t'es collé au mur, tu peux plus bouger quoi. Oh, je suis presque mort par contre là, non ? Ouais. Nous avons une remarque de Poulky Blast, la musique de la version Sega 30X est tellement pire que ça. Oh. Ah, faut je dire suis pas d'accord. Le 32X en lui-même c'est pas une réussite. Hein. Alors. Oh. Tu vois là, bouge plus. Ouais. Non, recule. Ouais. Tu vois devant toi là, il y a un petit truc qui flash là. Le blanc là. Tu vois, ça flash au mur. Ouais, exact. Bon. Alors en fait, ce qui se passe, tu vois l'escalier d'où t'es venu là, dans ce secteur là. Il faut que tu le traverses en courant et que tu atteignes cet endroit là. La petite plateforme va se baisser et tu pourras traverser ce mur. Mais comment je peux pas courir. En gros, tu vois là aussi, tu vois qu'en gros là où il y a la lumière, c'est fermé, le muret entre guillemets au-dessus est fermé, et à partir du moment où tu vas te mettre en haut de l'escalier, tu vas entendre, si tu écoutes bien, ça veut dire que ça va s'ouvrir, et là il faut que tu cours comme un taré pour arriver jusqu'ici. Pour arriver à ouvrir le passage secret. Ah, pour courir, j'ai trouvé pour courir. Voilà, on va t'accompagner. Oh. Maintenant, quand tu peux courir au-dessus des trucs de lave, enfin sur les trucs de lave, sans trop te faire mal si tu restes pas longtemps. Alors, je reprends maintenant, l'escalier, c'est ça près, tu fais à peu près du 80-90 km/h. Voilà, descends. Donc là, en fait, il vient de se baisser, donc t'attends qu'il remonte, voilà. Et maintenant, il faut que tu cours à droite et tout droit, ok? Toujours tout droit. Cours, Forest, cours. Là, cours. Là, ici, là. Mais tu retournes là où on t'a montré. Voilà. Alors, en fait, là, en courant. Vas-y, cours. Ah mais les allez, gars, cours. C'est injouable, vous vous rendez pas compte. Allez, cours. Allez, vas-y. Non, j'y arrive pas. Et voilà. Non, bon, c'est pas grave, allez, on continue. Attendez, si j'ai bien compris, il est lent, le mec doit monter tout seul, en fait. Non, mais c'est parce qu'il y a pas... Le truc va se baisser. En fait, il y a... Ah d'accord, ok. Donc en fait, c'est un truc qui est légèrement en hauteur, et qui l'ascenseur se déclenche quand tu passes dans l'escalier. Et donc du coup, c'est le principe de pas alors, de passage secret de Doom quoi. Sur le chat, on dit visiblement qu'il pouvait passer à gauche aussi. Oui, mais alors à gauche, c'est un autre secret, c'est l'espèce de sphère bleue qu'on a vu tout à l'heure, pour avoir 100 points de vie supplémentaires. En fait, il y a deux secrets dans cette pièce. D'accord. Et il y en a un qui se passe par la droite et un qui passe par la gauche. Celui sage looping, que sur le chat, il s'amuse à te donner des notes artistiques. Merci, c'est gentil. Ça donne quoi les notes? Ça arrive. Attention. Attention la boule de feu. Oh là là. Hey, alors attendez. Looping, il adore les manger les boules. Il y a des boules qui arrivent, il reste sur place quoi. Pour info, sur le premier niveau, la note technique 3,2 sur 10, la note artistique 7,6 et la note trollesque 9 sur 10. C'est sûr tant que tu fais ça. Pense bien à straffer quand tu te fais attaquer par une boule de feu. Attention Mario. Ouf. Attendez, c'est chaud là, je suis au taquet là. Attention. Il transpire sur sa manette là. Il y a un lourd encore, il y a un autre là qui tire là. Il y a des pixels marrons qui ont bougé. L'escalier monte vachement plus vite que normalement. Beaucoup plus vite que ça y est, je suis à la sortie. Exactement. Attention. Alors sachant que t'as loupé tous les secrets à peu près. Ah bah oui, parce que j'ai la clé bleue, je m'en suis même pas servi. Si, t'as ouvert. Mais il te manque la rouge et la jaune. Hop là. Il y a la jaune. Voilà. Bravo, okay. Loupé, tu es toujours en train de survivre. Et combien de temps j'ai mis? Oh là là, 8 minutes 50. Oh l'horreur. Ah, soit tu as pas tué tous les ennemis, tu as encore trouvé zéro secret. Oh. J'ai pas trop de skill, hein, j'avoue. Oh. Après, faut déjà le finir le jeu avant de pouvoir faire en... Alors, la version Super Nintendo, je crois qu'elle a un peu moins de niveau que la version PC, il me semble. Elle a un peu moins de tout.
Je suis un peu surpris parce que s'il n'y a pas de choix d'épisode au départ, ça veut peut-être dire que t'as que l'épisode 1 en fait. Oh non, ce serait un scandale. Il faut que tu franchement, ce serait énorme. Ce serait un scandale. Mais je me pose la question, c'est pas pour mésestimer tes qualités de joueur, Loupine. Oui. T'es pas mort une seule fois, le jeu est facile. Bien. Mais je pense que alors, on peut pas choisir la difficulté, je pense qu'ils l'ont mis en facile. Hein. Il est. Alors je pense d'après le nombre d'ennemis, parce que le nombre d'ennemis change et d'après ce que j'en connais, de souvenir, ça doit être niveau de difficulté 2 ou 3. Ça doit être Hurt Me Plenty ou Non, ça doit être le 2 je pense, ouais. Ça ou le 2 peut-être, ouais, enfin je voilà, je sais pas. Alors sur le chat on nous dit visiblement la moitié des niveaux sur la version Super NES, 25. Ouais, moi je crois qu'il y a, il y en a beaucoup moins. J'avais lu ça, je crois. Oh là, pourquoi et 25, ouvert, hein. 25, c'est... Parce que tu as mis une combinaison anti-radiation. Et là, si tu l'as dans un couloir radioactif. Alors là, je ne vois plus rien du tout là. 25, c'est pas mal. C'est ouvert. 25, c'est pas mal parce que c'est, ça fait, il y a normalement il y a 3 épisodes de 9 niveaux, 8 plus 1 en fait, 8 niveaux plus 1 secret, donc ça fait 27. Donc c'est pas mal. Alors là, mais tu es sous LSD. Mais c'est injouable là. Entre les murs vert et mauve, le sol bleu. J'ai une question pour Enfalmir, parce qu'avant qu'on commence, tu nous as dit quand même que tu avais joué exclusivement sur la version 32X. Alors maintenant, dis-nous, quelle est la différence par rapport à la version Super Nintendo? Et sans langue de bois, sans mauvaise foi. Alors déjà, sur la version 32X, la lave verte, elle est... Eh bien, le jeu est, je trouve, beaucoup plus beau techniquement sur la version 32X. Alors, c'est pas non plus la version PC, bien sûr. Le son, c'est du son Mega Drive. Et sinon, au niveau de la maniabilité à 3 boutons, c'est une horreur. Parce qu'il y a plein de combinaisons à faire entre start et les boutons pour faire genre changer d'arme. Ouais, parce que là, tu peux même pas straffer en plus. Hein. Là, tu peux straffer sur la version Mega Drive. Je me demande si pour la version 32X, il fallait pas avoir le pas de 6 boutons. Hein. Bah, je crois que c'était recommandé. Oui, oui, on recommande, bien sûr. Straffer sur la version 32X, ça me semble que c'était le bouton action et les flèches. Le ping, il préfère tirer sur ce qu'il y a rien, mais c'est pas grave. 29 de vie. Ah, mais il a trouvé une Gatling quand même. Ouais, c'est heureux, là je suis heureux. Va-t-il bientôt mourir? 22 vies. Oh là là, attention. Il va mourir, il va mourir. Deux de vie, deux points de vie. Oh putain la vache. Ah, il faut que je trouve une caisse là, j'ai pas le choix. Oh là là, attention, y a attention. Ne tire pas sur le baril. Le warrior. Alors généralement c'est à ce moment là que... Ah, il y a un truc de vie à gauche, sur ta gauche. Ouais. T'avais un truc de vie sur les... Voilà, ouais, là. Contre le mur. Ah ouais, d'accord. Oh. Alléluia. J'ai pas eu limite qui était dans la pièce d'à côté en fait. 12, c'est ridicule. Ah mais oh là là. Alors vas-y, je vais t'aider un peu. Ouais. Reviens au départ là, tout droit devant toi là. Non, redescends par la descente. D'accord, ok. Ouais, redescends, va en face. Vas-y. Oh, oula, attention derrière toi. Voilà. Attends, derrière toi, j'ai entendu grogner. Ouais. Il est où? Non, bah c'est bon. Ah ouais, franchement. Pourquoi? À droite. Bon, reviens en arrière parce que il y a de la vie pour toi là si tu veux. Là, reviens, recule. Sur le mur de gauche. L'autre mur, l'autre gauche. T'as du mal voilà. Avec le... J'ai du mal là. Je suis perturbé. Ce mur s'ouvre. Ah bon? Voilà. Ouais. Oh mortel. Oh, oh non, oh, écrasé par la porte. J'ai été écrasé. Oh, oh le fusil. C'est énorme. Le time de Marcus. Mais là tu as réapparu au même endroit? Ouais, tu recommences le niveau, ouais. Non, et t'as réappris. Non, en fait, c'est le début du niveau, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est le début du niveau, c'est un hasard, mais... Écrasé par une porte. Oh la vache. Oh, t'es mort, mais mochement, quoi. Franchement, c'est... Oh, j'ai tué tout le monde avec le Je vais t'aider encore. Si tu sautes, là, c'est de la lave, en bas, mais si tu files à gauche, tu peux trouver des petites choses sympathiques. À gauche, là, dans le tunnel. Là, dans le trou, là. Ouais, vas-y. Cours. Waouh. Et là... Remercie-moi, tu viens de trouver. Une bazooka. Ah, je vais faire du dégât là. Alors attention, ça s'utilise pas près des murs hein, parce que ça tâche. Ouais. Les gars, on dirait pas un peu un accordéon? Un peu, ouais. Attention, c'est un piège, ce truc là. Une trompe d'éléphant. Non, l'active pas parce que, en fait, c'est pas un piège, mais si tu l'actives, il faut que tu sois un peu sur l'ascenseur déjà. Parce que ça monte l'ascenseur, mais tu peux pas le redescendre. L'ascenseur, c'est la plaque marron là qui est là. Exactement. L'ascenseur, c'est la plaque marron toute moche, ouais. D'accord. Enfin, ça continue à tourner sur le chat, il ressent qu'il est ébloui par la performance et le système. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bah il voulait pas le bonus, mais c'est pas grave, vas-y. Vas-y, continue. Ah, il y a un truc là.
Oui, c'est pour l'ascenseur qui vient de descendre tout seul. L'animation du bazooka quand tu avances, elle est énorme. À gauche, à droite. Ah bah l'inertie de c'est toutes le les armes. C'est le Ernest. Hein. Bon, alors allez, vas-y. Vas-y, reviens. Voilà. Ouais, monte. Quand ouais. Tu termines. Faut que tu refasses cette pièce là en fait. Ah, je prends pas ça, c'est horrible. Et bah voilà, si tu le prends pas. Ah merde. Et oui, c'est un peu de radiation, faut faire attention des fois. Vas-y, tu peux ouvrir la porte là, parce qu'il faut que tu récupères la clé bleue. Oh là là, ça tire pas, oulala. Ça tire pas. Oh là là, tu tires de bazooka. Mais c'est quoi ce truc? Bah, un bazooka à bout portant, t'as pris des dégâts aussi. Ça sert à quoi le sac à dos que je ramasse? Sac à dos, sac à dos. Les munitions transportées. D'accord. Alors je t'informe, Ping. Oui. Que quand tu termineras ce niveau, on passera à la. À la run. On okay. Laissera donc Gerfo nous montrer un peu son talent sur d'accord, sa ça marche. PC. Sans vouloir être méchant, c'est s'il arrive à terminer. Si tu arrives à terminer le niveau, très juste. Allez, je vais essayer de m'accrocher. Allez, faut que tout le monde motive, tout le monde sur le chat là, tout le monde motive. Allez tous avec Ping. Moi. Allez. Allez newbie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manges? C'est en haut, derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Il tire dans le vide. Laissez-moi passer. Ça y est, c'est la panique du joueur de Doom qui ne sait plus. Ah ça y est, Il panique. Voilà. Attends. En fait, le problème, c'est que j'essaye de regarder la vidéo du live parce qu'elle est plus claire. Non, sur le jeu, je vois rien. Il joue avec un lava. Tu joues avec un lag en plus. Le mec, il a un handicap. Non, je joue avec la vidéo qui est streamée. Mais elle est toute petite, la fenêtre. Il faut que tu rentres au milieu, t'as pas le choix, il y a une clé bleue. Donc alors attends. Attention, ça c'est de la lave. Cette musique, elle me tue les oreilles. Pourtant c'est une bonne musique, hein, mais c'est vrai la boucle est très courte. Voilà. Ramasse la mitraillette et la clé bleue. Comment il a fait pour pas la prendre? Voilà, il passait juste à côté. Y a même pas la petite tête. T'as la clé bleue, tu l'as loupé. Y a même pas la tête quand j'ai pas la clé bleue. Ouais, quand il est tout content. Quand il est tout content, non, quand il ramasse une nouvelle arme, ça c'est un scandale aussi. Il est pas content sur SNES. Attention. Alors, moi je voulais poser une question par contre sur PC, tu jouais quoi au clavier avec les flèches de direction? Comment tu Alors la version de base c'était avec les flèches effectivement, ouais. Donc c'était bien Warrior. Maintenant sur les ports modernes, dont celui que j'utilise qui s'appelle Z-Doom, je joue avec la souris quand même parce que c'est plus facile. Mais j'oblige le jeu à ne pas gérer le haut et le bas comme le jeu de base quoi. D'accord, ok. Alors je voudrais que tu restes dans cette pièce quelques secondes parce que ça va me permettre d'expliquer un truc que je ferai tout à l'heure qui va être très rapide, c'est intéressant. En fait, toi, t'es en train de te taper tout le grand couloir que tu vas faire après. Moi, je vais sauter par-dessus ce puits de lave pour aller en face, là. Tu vois, le truc jaune qui brille, là. Moi, je sauterai ce puits. D'accord. Avec un petit coup de vitesse assez rapide. Mais ça, c'est pour vous mettre en haleine, vous mettre quoi. En haleine, voilà. Ça va aller tellement vite. Voilà. Je vais le louper une fois, mais enfin, bon, on verra bien. Mais techniquement, on peut traverser ce puits en courant avec le bon angle. On peut choper le mur, en fait. Ce qui n'est pas possible, normalement. Bah si. Alors si, parce qu'en fait, les développeurs avaient pensé, ils ont mis en fait un tout petit rebord. Tu peux poser le joueur. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils l'avaient pensé. Les joueurs ont mis longtemps à trouver comment le faire. Ouais. Et après, ils ont trouvé un truc encore plus rapide qui passe pas par ce raccourci-là. Mmh. C'est assez génial. Donc, Mais je rappelle quand même qu'on peut pas sauter dans le jeu. Attention, que se passe-t-il? Oh là là, surtout que tu pouvais le faire sur la version PC. Je suis pas sûr que ce soit un 56, 40. 36. Je regarde ses points de vie. Ils sont animés sur deux trames, c'est vraiment scandaleux quoi. Prend un peu de vie. En fait, pareil pour la petite histoire, on va dire inter la case rétro, on va dire que quand Enfa nous a demandé de venir commenter la version Super Nintendo, c'était limite un boycott de notre part, quoi. On disait mais c'est pas possible, quoi, tu nous demandes une torture psychologique, quoi. Pour des raisons techniques qu'on a. Est-ce que je peux sauter en face? Alors, c'est le fameux raccourci dont je te parle. Les joueurs ultra professionnels savent sauter ce trou. Je peux le faire. C'est un peu faisable. D'accord, ok.
Ouais, donc on a, tu peux revenir dans la pièce de... De toute façon, là, tu pourras pas y aller, c'est la fin et tu peux pas passer par là. Il faut que tu reviennes dans la pièce d'avant. Petite anecdote sur la pièce d'avant. Je sais pas si vous voyez le truc au sol, là, l'espèce de bleu là qui reste en surimpression. C'est une croix gammée. C'est une croix gammée. C'est une croix gammée, mais qui a été légèrement modifiée pour pas subir l'interdiction du jeu en Allemagne. Ouais. Normalement, ça devait être une croix gammée, un hommage à Wolfenstein 3D. Ouais. Dans la version alpha de ce niveau, c'était une vraie croix gammée. Ils l'ont changé après pour que ça soit. Ouais, ça personne. Hein. On a une question sur le live. Alors, je vais peut-être écorcher le pseudo. Hein. Tout Sky Live. Qui demande combien il y a d'armes dans le jeu. Alors il y a 8 armes. Le poing américain, la tronçonneuse, le pistolet, le fusil, la mitrailleuse, le lance-roquette, le fusil plasma et le Big Fucking Gun 9000. Messieurs. Looping, j'ai fait poser. Ouais. Termine ce niveau au d'accord, point américain. Point. Ah voilà. Au point américain. Au point américain. Je vais vite mourir, hein. ça va être réglé. C'est devant toi là, c'est devant toi. Fais très attention. Voilà. Mais tu es au point américain. Ah mais là je peux pas là. Tu peux techniquement mais. Ah tu peux taper quand ils sont. Tu peux faire le tour. Non mais en fait tu peux faire le tour et les rejoindre mais bon allez d'accord. vas-y. Et triche. Non lui fais pas genre de. Ah, là. On va commencer. Tatane. Allez tatane dans ta figure. Allez lui. Oui. Oh non. Oh non. Ouais. Tatane qui va tenir. 17 de vie. Allez. Ah ouais. Bon allez reprends les armes. Attends, je crois qu'il y avait de la vie là. Ouais. Qu'on me fasse pas dire que Doom c'est pas un jeu fun quoi, je suis désolé mais c'est. Alors des meilleurs. Regardez-le, il saigne des yeux. On parlait au fait oui tout à l'heure pour la. Pourquoi on testait la version SNES finalement. C'est parce que c'est surtout pour des contraintes techniques de pouvoir streamer la version PC qu'on a choisi de faire la version NES en fait. Je dois pas te demander de taper dans un tonneau avec le point américain. Oui, certainement pas. Je suis pas aussi bête quand même. Mais ouais, mais puis voilà, faut aussi, on en avait pas parlé durant l'émission. D'ailleurs, je vous conseille à tous, même si vous suivez la rediffusion, de vous jeter sur notre podcast sur Doom, où vous apprendrez plein de choses. Mais c'est vrai qu'on avait éludé un peu ces versions consoles. Vous rendez compte pourquoi aujourd'hui. Mais on n'avait pas envie de passer pour des élitistes non plus, donc fallait leur rendre un peu hommage. Oula, ça va être chaud. Ouais, voilà. Oh le cochon. Oh le placage. Non, mais je pense que la seule version supportable reste la version PlayStation. Hein. Enfin, mais oui, elle a pas, c'est une bonne version, c'est la meilleure version console, je pense. Allez, okay. Looping, là il faut faire un speedrun, là. Fais-nous un speedrun, tu peux pas ne pas terminer ce niveau. Après, je sais pas pour les adversaires, mais là la version Super NES est quand même oscillant qu'il a faite, et oscillant il est pas un éditeur réputé pour faire des merveilles. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu peux pas faire grand chose hein, de Doom sur console, que ça soit la 32X ou la Super NES. Fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Ouais, voilà, il y a un moment, il y a des consoles, tu sais, que tu peux pas adapter dessus, quoi. C'est... Bah, les mecs ont voulu adapter Crysis sur GameCube, ils ont eu des problèmes. C'est vrai, ça? Non. Ouais. Tu me rassures parce que... Non mais Looping, Locutus nous avait parlé du mec qui avait fait un portage de Doom sur Atari Falcon. Ouais. Il a mis plus de 10 ans, on sait même pas s'il a terminé. Non, il a pas terminé, je crois. Il est toujours. Ah, le baril. Attention, pour dos pas, pour dos pas. Bon, non, je pense... crois que. Ouais, je crois qu'on va arrêter là parce qu'il y a arrêté le massacre. Donc là, on va. Donc merci Looping, nous avons montré ce qu'un nouveau, un noob faisait sur console avec Doom. Mais là, on va voir ce que fait un joueur un peu expérimenté, Gerfo, sur la version PC. Donc on va voir les différences avec cette version console. Et attention, ça va aller très très vite. Donc accrochez-vous, regardez. On va devoir parler très vite et on n'aura certainement pas le temps de tout expliquer. On n'est pas non plus dans 88 miles à l'heure. L'émission dédiée au tous les SSP Speedrun. Il ne fait pas bon d'être un boss dans un tous les SSP Speedrun. Voilà. J'ai presque envie de dire posez vos questions sur le chat, on y répondra après. Voilà, ne posez pas de questions, on n'aura pas le temps. On a 10 minutes à peu près hein, la run. Je crois que c'est entre 9 et 10 minutes. En temps de jeu, c'est 8 minutes 06. Donc ouais. Je suis à 3 minutes du record du monde. Mais ouais, avec j'ai laissé les intermèdes pour qu'on puisse voir les temps, etc. Donc ça fait à peu près 10 minutes de vidéo. Voilà. Et 10 minutes pour le jeu, le premier épisode. Ouais, premier épisode de Doom. Donc il y a encore 4 niveaux après ceux que Looping nous a montré. Voilà. D'accord. Tu l'as fait en combien de segments En combien de segments c'était...
je segmente à chaque niveau en fait. Je sauvegarde au début de chaque niveau pour recommencer, et puis ensuite je monte les. Enfin, non d'ailleurs, c'est pas moi qui ai monté, c'est Looping qui a monté cette vidéo. Merci Looping. Bah, de rien. Et donc à chaque niveau, je fais une sauvegarde au début et puis je recommence jusqu'à ce que je sois satisfait de la perf. Oui. Enfin bon, voilà. On se regarde ce run de Jarfo sur Doom PC. Mais bien sûr, c'est pour ça que je l'ai fait, hein, donc. Ok. Profitez. Et bah c'est parti. Ok. Ah bon, déjà on voit que l'écran titre est vachement mieux. Ouais. Mais et puis il y a des noms, tiens. Il y a des noms, exactement. Il y a beaucoup de menu. Tu mets premier en... épisode et en ultra violence. Ultra violence. Bah, déjà les fêtes fondues. Alors déjà vous voyez la différence grave. La stupidité. Alors, tu veux pas buter tout le monde, ton but c'est d'aller vite, c'est ça? Non, c'est d'aller vite, ouais. Et il y aura des moments où je tuerai d'ailleurs trop de monde. Ah, j'adore cette petite boule de feu. T'esquives la boule de feu pour que ça te bute l'ennemi. C'est classique en fait, le timing fait que t'es sûr que le machin te lance donc, dans le dos. 13 secondes pour le premier niveau. Exactement, donc il y aura le temps du niveau et en dessous c'est le temps total en cumulé. On voit la différence au niveau des lumières, c'est hallucinant. Ah ouais, voilà, avec Z-Doom en fait je peux jouer en 1680x1050 qui est la résolution de mon écran. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ces espèces de trucs gris sur les côtés. Et puis ouais. Bah après un peu de texture filtrée. Mais on reconnaît quand même, c'est bien la patte graphique, mais c'est quand même beaucoup plus classe, les ennemis sont vraiment plus animés et tout. Fin... Mais le flingue est mieux défini en plus. Ouais. Ouais. Je veux pas problème, mais le sol est toujours bleu à certains endroits. Oui, oui, non, mais il y a un logo dessus, voilà. Et c'est ça la différence. Il est pas forcément totalement bleu. Oh là, et là t'es en quel niveau de difficulté avant dernier? 4 sur 4. 5, voilà. Ok, donc là ça fait beaucoup plus d'ennemis et ils sont plus durs à tuer. 1 minute 15, laisse tomber. Non, 45 secondes, hein. Ah oui, c'est 45 temps, secondes. Ouais, c'est 45, c'est à la fin, hein. C'est ça qui est important. Ah, tu vas voir, il y a beaucoup plus de monde. Et là, il y a des ennemis invisibles, je viens de voir, là. Ouais, il y a un cochon invisible, le même que le rose, mais en invisible. D'accord, ah oui, je mets, c'est sur le tonneau, bah ouais. Non, mais voilà, c'est nul, voilà, on arrête, voilà, normalement, c'est bon. Un scandale. Oh, ah oui, cette ah les montagnes. Et les montagnes sont les mêmes. Et du coup, le fait de jouer en hardcore comme ça, ça rajoute beaucoup plus de monstres. Bah t'as vu, t'avais pas les cochons à cet endroit-là. Ah, ouais. Là, il y avait 4 monstres dans la salle. Tu vite rappelles la salle où t'étais en aveugle. Ouais. Oh mais ça a rien à voir, attends, c'est dingue. Et dédicace à Sirtan qui se lâche sur le chat. Hein. Je peux pas le dire, mais. Mais. Est-ce que donc là en fait là comment ça s'appelle ce genre de run où tu vas le plus vite? Donc c'est un speedrun classique, donc un speed vitesse, donc c'est pure vitesse sans contrainte, pas en 100%, voilà, c'est le speedrun classique, quoi. Donc, donc là c'est de l'étude de niveau, étude de stratégie faite par les... C'est moi où cet escalier est une torture pour un speedrunner de devoir... Tout à fait, parce qu'en fait il faut le déclencher et il reste 10 secondes avant que tu puisses passer, donc tu dois tuer les monstres. Donc on en est à 1,47 pour les 3 premiers niveaux. Voilà. On arrive à 47, nous voilà. Sommes au même stade que Looping. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais en fait là tu fais du slalom de monstre. Ah exactement. Et voilà, donc là le... Ah le regarde le saut. Le fameux travers. Donc là je me plante. Oh, il s'est planté. C'est dommage. Il y a un petit souci les gars sur le live. Ouais, la vidéo a bloqué. Ouais, la vidéo s'est bloquée. La vidéo a bloqué? Ouais. Alors attendez. On la relance ou pas? Bougez pas, bougez pas. On ne bouge pas. Bougez pas. Que se passe-t-il? Comment on disait à Paris là, machin La régie. Cognac la régie. G. Cognac G. Cognac G. Cognac G. Nous avons un souci. Guilux. Guilux. Je ne vous c'est entends l'escalier. Pas. Je c'est l'escalier qui a tout bloqué. Bougez pas. Je remets ça de suite. Je pense qu'on va la relancer. Hein. On la relance. Ouais, on la relance. Hein. C'est pas. On la relance. On n'est pas à une minute. Voilà. Bon, Cognac G, êtes-vous prêt? Je vous en dis quand tu relances, mon loulou. Alors, c'est bon, c'est parti. On est relancé. On est relancé ou pas? Oui, oui, ça y est, on est dedans. Là, on est au top. Ok, on est parti. C'est bon. Donc, on se refait l'intro, hein, c'est pas grave, hein, vous l'avez déjà vu. Alors. Donc là, je reviens sur la... Là, on est à la fin du premier niveau. Ouais, merci, Cognac G. Sur la lumière, ça joue quand même vachement sur l'ambiance que tu peux pas avoir sur la Super NES. Carrément, c'était exactement pourquoi la version PC était génialissime. On avait vraiment vraiment le côté angoissant de certains endroits. Là. Je veux dire, on peut le voir à plein d'endroits, toutes ces lumières qui faiblissent, qui se relèvent, qui faiblissent, qui se relèvent, les pièges, etc. Enfin, ouais. C'est parti du... Voilà. J'imagine. Il va une vitesse. Ouais, mec. C'est ça qui est impressionnant, c'est que en plus on voit bien que tu sais où il faut aller, quoi. Tu t'hésites pas, quoi. C'est ah bah oui. Dingue.
Ah, c'est plus speedrunner en même temps. Voilà. Après, si le speedrunner, il fait c'était à gauche ou à droite, j'hésite. 32 secondes. 32 secondes. Ouais, ouais. Pour le deuxième niveau. Pour le deuxième niveau, ouais, c'est énorme. Énorme. Et cet effet de fondu, tu ne peux pas le retrouver sur Super NES. Hein. Oh là là. Il y a plein de choses qui t'en font. Là, tu vois les monstres. Tu vois, il t'arrive à l'air. Il est à 18% de vie quand même. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est. Mais là, c'est le genre de truc, tu continues jusqu'à ce que tu meurs, parce que ça peut quand même donner un bon temps. Et finalement. C'est bête à dire, mais est-ce qu'il y a des frames d'invulnérabilité sur Doom? Parce que tu peux gérer du dégât pour ne pas t'en prendre pendant un moment. Non, en fait, non. En fait, il y a. Alors, tu gères un frame sur l'ennemi qui s'appelle la résilience en fait sur l'ennemi. C'est-à-dire, la mitraillette a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle tient en continu, et sur des ennemis qui ont peu de résilience, tu peux les bloquer en fait, les empêcher d'attaquer. Mais toi, tu prends du dégât en continu, t'as pas de résilience en fait. C'est dommage, enfin c'est dommage, ça permet de... C'est un paramètre à tenir en compte. Quoi. Ouais. Oh là, le fameux escalier, donc là c'est très chiant. Là je vois pas la boule de feu arriver. Et puis là tu peux pas sauter. Et non, je peux pas sauter, je suis obligé d'attendre. Donc on était à combien? 1 minute, une seconde. Oh, c'est tu te relâches là. Ah là, tu te relâches. Mais le par est à 2 minutes. Le par, c'est le temps indiqué par ID Software. Ouais. Donc je suis à la moitié. C'est comme ça que j'ai commencé mes semi speed. Je voulais faire la moitié du temps. C'est-à-dire qu'on a bien passé l'escalier sur Twitch. Ouais, c'est bon. Ah. Oui. Surtout attention, hein, Cognac G, s'il y a un souci, vous nous prévenez. Là, normalement, c'était bon. On est au saut là. Au petit saut, le fameux saut. Tiens. Ah, il se foire déjà. Bon, bah, ça c'est nul. Hein. Voilà, ça c'est zéro. Ça c'est zéro patate. Ah, c'est beau. Joli. C'est magnifique. Et tu vois, un looping, c'est les mêmes sprites de boss, hein. Enfin, d'ennemis, hein. Ouais, mais là je les reconnais, là. Je les vois là, tu arrives à voir les différences, tu vois des détails. Mais le problème, c'est que la version SNES est très très sombre, quoi. Ouais. Je pense même pas que ça vient de l'émulateur en lui-même. Je pense que c'est vrai. Je pense que là, sur le... Seul de merde. Ouais, sur la cartouche, oui. Ah, les ennemis transparents, tiens. Ouais. C'est un bon truc de Sonic, les ennemis transparents, hein. Là, tu perds du temps là, Jean-Paul. Là je perds énormément de temps en fait. C'est une séquence que je suis en train de m'entraîner à faire sans tuer les ennemis, mais j'ai beaucoup mal parce qu'en fait voilà, je suis obligé d'aller au bout de ce couloir pour lever une plateforme là. Ouais. Faut que je me mette sur ce tout petit truc et là toute la plateforme se lève là. Ah, donc ouais. Du coup je suis obligé. Un petit coup dans le baril, j'aime bien ce petit coup là. Là je me plante aussi. Le monde de boss. Enfin d'ennemi. Je me plante aussi là, j'arrive pas à les faire les droits avec un seul coup de fusil, qui normalement est un coup pas très dur. Là un petit secret. Hop là. Oui, donc ça te permet de faire une boucle en gros. Une boucle, exactement. C'est une trajectoire optimisée quoi. Voilà. Ok. Parce que techniquement t'as pas besoin d'avoir des armes précises ou t'as besoin à certains moments d'avoir... Alors là c'était obligatoire parce que c'est là où je récupère le lance-roquette et j'en ai besoin à la roquette près jusqu'à la fin du jeu. Donc, Petit slalom de taureau, genre ouais. Alors je fais un truc, je tire pas parce qu'en fait il y a beaucoup d'ennemis et si je tire ils vont se déplacer parce qu'ils m'auront entendu. Ouais. Et moi je veux me faufiler, voilà. Et pour choper cet ascenseur, je dois pas tirer. Donc là, je lève la porte en l'air alors que je suis pas face parce que c'est quoi, c'est un téléporteur ça? Ouais, c'est un téléporteur le rouge là, ouais. D'accord. Donc là je prends le lance-roquette pour faire de la place. Et là tu vois que les niveaux commencent à devenir de plus en plus labyrinthiques. Et de plus en plus grands. Oh là là, le couloir de la mort. Et de plus en plus peuplé. T'imagines ce couloir sur Super NES? Bah laisse tomber, c'est impossible. Il paraît moins d'ennemis. Hein. Oh la vache. 3 roquettes pour effacer cette salle. Je sens que Laurent, qu'en face ce soir il prend sa revanche sur, sur la SNES et la Mega Drive là. Je sens qu'il en met un bon taquet là. Allez, oui, bravo. Donc tu penses que tu peux encore améliorer cette partie quoi? Bah clairement, hein, de toute façon il y a 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de marge. Et là ce niveau en particulier, je sais que je peux le passer avec 25 secondes de moins. J'aime pas ce niveau. Alors celui-là il est très sympa, là. Vous voyez là je vais pas tuer l'ennemi sur la droite. Ouais. En fait quand tu rentres dans cette pièce, la porte se ferme. Et en fait j'ai placé l'ennemi pour que la porte se ferme sur lui et donc la rouvre. Ouais, sinon normalement la porte reste fermée 30 secondes. Et donc je suis obligé de le placer pour gagner du temps à cet endroit-là. On en parlait dans le podcast et quand on voit cette version PC, ça se confirme, c'est qu'il reste quand même aujourd'hui encore beau. Mmh. Tu vois, c'est quand même assez propre, c'est pas non plus de la Super HD trop cool. Fluide. Mais voilà, c'est fluide et le design est fait de telle sorte que moi, ça se joue encore. Ça se donne encore envie de jouer, quoi. Ouais. C'est quoi cette tête de taré qu'il avait là? C'est la Ouch Face. Alors c'est une tête qu'on ne peut pas voir dans le Doom de base. En fait, il y a une erreur de code dans ce truc-là. Normalement, c'est une tête qu'on a quand on se prend plus de 25% de dégâts en un seul coup. Là, t'es invisible. Là, je suis invisible. Et en fait, elle a été mal codée. Oh, le dégât. Je peux pas avancer, il y a trop de monde. Et tu prends pas de dégâts là. J'ai ramassé une combinaison anti-radiation mais ça va vite. L'écran est légèrement vert. Oui, c'est vrai. Oh là là.
Oh, l'hécatombe. L'hécatombe. Oh lolo, ça m'a... Tu vous rends compte le nombre d'ennemis qu'il y a dans ce mode de difficulté? Mais regarde, mais moi c'est pour ça que Doom, je continue à y jouer aujourd'hui. Quel jeu aujourd'hui t'apporte ce genre de gameplay? Aucun. Même un Serious Sam a un gameplay très différent parce qu'il est composé uniquement d'enchaînements d'arènes. Doom a ce côté clos, voilà, et très très rapide. C'est énorme. Oh là là, oula, oula, oula. Alors là, j'ai beaucoup de chance. En fait, je me fais tous les cochons invisibles. En fait, il y en a 5 là. Avec les roquettes, ça passe super bien parce qu'il y a à peu près 20 ennemis qui viennent de sortir. Et donc, j'arrive à faire ce temps d'une 34 qui est mon meilleur sur ce niveau. Rien à voir, mais je me pose la question, t'as fait Rage ou pas? Rage, le dernier de ID Software. Ouais. Non, je l'ai pas fait. J'attends qu'il soit en promo, mais je me le prendrai. Il est très Doom dans le. Il paraît, ouais. C'est ce que je voulais savoir, parce que j'avais entendu parler que le comparo à Doom, donc je voulais savoir ton ressenti. Mais... Il est très décevant, mais tu vois que dans le gameplay, c'est ID Software, quoi. Mais. Là-dessus, je pense que personne n'a fait aussi bien que Doom son style, et c'est vrai que maintenant tu retouves plus de ce genre de gameplay. C'est dommage parce que ça reste quand même super fun, quoi. C'est hyper gore, c'est machin, et mais c'est pas gore, c'est plein de couleurs vives, un peu rouge, un peu vert, c'est pas réaliste. Et question bête, tu le préfères à Quake ou pas? Moi, je Quake, j'ai joué qu'au 2 sur Nintendo 64 et j'aime pas Quake. J'aime pas Quake, donc voilà. J'ai joué au Quake 3 Arena à une époque, mais en fait, à cette époque-là, j'étais déjà passé sur Unreal Tournament et donc voilà, c'était pas mon truc. J'aime beaucoup aussi Unreal Tournament. Mais les niveaux, mais je me paumerais là-dedans, moi je suis jamais aussi loin que ça. Hein. Par contre, tu vois, je trouve ça vachement mal fait, la combinaison, là, ça... Le filtre vert là, c'est bon. T'aimes pas le vert, hein? Ah non, mais je crois que le vert en l'espoir. Tu vois rien, je trouve, après. Oh là 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 là. Et donc tu veux dire que dans le mode Nightmare, les ennemis qui sont à terre sont là. Imagine faire la même chose, toutes les 8 secondes, chaque ennemi tué revient. Et en plus, ils ont un temps de réaction deux fois plus rapide. C'est la porte du bonheur, ça. Voilà. Bon bah, on arrive à la fin, les gars. Hein. Et voilà, on arrive au dernier niveau. Le dernier niveau, okay. D'accord. Est-ce qu'il va réussir? Taper 1, taper 2. Les barons, ils vont pas trop aimer. Ouh la vache. Donc là, il suffit de mettre un petit coup dans les tonneaux pour tous les tuer. Enfin, au moins se les gagner. C'est quoi là, c'est les Hell Knight Non, c'est vrai, les... On te fonce dessus. Oh là. Et déjà, il y a des centaures. C'est des centaures, ça. C'est quoi, ça? C'est des barons de l'enfer. Ouais, et le sol, là, c'est juste... C'est juste du rouge, mais c'est pas dangereux. Oui, la moquette. C'est ce qu'on disait pendant l'émission. C'est ce qu'on disait pendant l'émission. C'est ça te, t'as l'impression que tu as peur parce que tu dis que ça va te faire mal, mais tu peux hésiter au début. En fait, la lave est verte, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, je mets juste la carte pour montrer le temps en haut à droite, parce qu'en fait, la dernière pièce, en fait, c'est des ennemis dans le noir, on voit rien, et je me fais tuer. C'est la fin de l'épisode. Et donc 8-0-5 et ça traîne. Donc j'ai fait un temps de 8-0-5 de jeu. Et ben, je crois qu'on peut t'applaudir. Bravo. Bravo, Jean, franchement, respect. Ah, ça, c'est un vrai joueur. Looping, qu'en as-tu pensé de cette version PC et de la même manière de Gerfo de jouer? Ah, mais c'est incroyable. Bah, déjà, je pense que s'il y a une version à jouer, c'est celle-là et pas celle qu'on a vue avant, hein, sur laquelle je me suis essayé. Sur quelle machine? Sur Super Nintendo, avec le Super FX2. Mais pourtant, John McClane t'a dit que... C'est le meilleur jeu de tous les temps sur Super Nintendo. Bah voilà, vous avez pu voir pourquoi vraiment on n'a pas trop abordé ces versions console durant notre podcast sur Doom, et pourquoi voilà, Gerfo a tenu à montrer un peu de son talent et de la manière de jouer. Voilà, comme on a pu voir entre Looping et Gerfo, c'est que Doom, c'est une première lecture, on essaye de survivre tout simplement, puis après on essaye de faire un peu tout ce qu'on peut, et c'est tout le talent d'ID Software de nous permettre d'approfondir, de creuser un jeu de base bourrin aussi longtemps, aussi encore aujourd'hui, quoi. C'est ça la magie de ce Doom, et c'est pourquoi Gerfo a voulu nous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec ce bon petit jeu des années anciennes. C'est quand même magnifique. Et ce bon petit jeu des familles. Voilà, un petit jeu de famille de France. Et pouvoir montrer à Looping, montrer grâce à Looping, qui ne connaissait pas très bien la série, comment ça fait de jouer quand on ne sait pas jouer. C'était très sympa en tout cas. Voilà, on espère que vous avez
apprécié ce petit live sur Doom, un peu bourrin. Vous avez pu voir ces deux parties. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Attention, attends, oui. On fait quand même le Sirtank qui a quand même mis des notes pendant toute l'émission sur le chat. Alors là, pour commenter, allez, pour terminer. Alors, vu qu'il a pas pu lire, il remet les notes pour looping au certain. Note artistique, 8,65 sur 10. Note technique, 2,4 sur 10. Note trollesque, 9,85 sur 10. Pénalité, phobie des ascenseurs, à check. Maîtrise du lance-roquette, bonification, abnégation, amour des lance-flammes, marche sur la bourre radioactive, Fist of Rage. J'ai pas tout compris, mais ça me fait rire. Magnifique. Super. Voilà, on a voulu célébrer un peu la première année de la case rétro.fr quand même, messieurs. Hein, notre site a un an aujourd'hui, c'est magnifique. Super. Merci à tous en tout cas de nous suivre et de venir sur le site, de nous soutenir, c'est génial. Et puis là, vous étiez nombreux ce soir pour visiblement la violence plaît aux joueurs. Ah là là. Ah, les joueurs sont accros à la violence. Que diable. Voilà, messieurs, ce live va toucher à sa fin. Merci à vous, messieurs, d'être venus participer à ce joli live sur Doom. Merci à vous sur Twitch ou même en diffusion sur la case rétro.fr de nous avoir suivis, d'avoir regardé un peu de gameplay de Doom. On en a parlé en long, en large, en travers dans notre podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, jetez-vous dessus. Bande de tarés. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. Dès mardi, n'oubliez pas. Allez, on vous le dit. Mardi, si vous voulez la rediffusion, vous l'avez déjà entendu. Mais mardi, n'oubliez pas notre podcast sur Tomb Raider, le jour de la sortie officielle, on va dire, du reboot de Crystal Dynamics. On vous fait une petite rétrospective du tout premier épisode de Core Design, ce qu'on en a pensé, histoire de faire un peu la distinction entre le premier et le tout nouveau. Voilà, et on se donne rendez-vous dès le premier mois, début du mois prochain, pour un nouveau live. Voilà, on va essayer de tenir cette régularité premier dimanche du mois, un nouveau live, ça sera magnifique. On ne sait pas encore sur quoi c'est, peut-être qu'on le sait, peut-être qu'on ne sait pas, on verra. Voilà, on se dit à très vite toujours. Allez, bonne soirée à tout le monde et amusez-vous bien. N'oubliez pas, le rétro gaming, c'est l'avenir des consoles next-gen. C'est dit. Allez, salut. Salut. Salut.